Creative Valley offre des programmes de support adaptés à toutes les phases de développement des startups innovantes et technologiques et en composantes numériques fortes. Creative Valley accompagne les entrepreneurs porteurs de projets innovants. Alors, je m'appelle Dylan Ouzenov, je suis administrateur système chez Creative Valley. La principale mission, c'est de s'occuper du réseau des résidents de Creative Valley. C'est un incubateur de startups. Par exemple, et quels sont les avantages et les inconvénients de ce métier? On peut dire qu'on est toujours en avance par rapport aux autres. Il y a soit des nouveautés d'ordinateur, soit des nouveautés sur DeFi, de sécurité. C'est vraiment un monde en plein mouvement permanent. Rester vigilant et quand même chaque jour passer un peu de temps sur les blogs, sur les news par rapport à ces sujets-là. D'accord. Et quelles études avez-vous faites pour... J'ai fait un bac ES. Après, j'ai commencé une licence de sciences humaines. Je suis allé à un salon d'étudiants. Il y avait plein d'écoles, plein d'universités qui exposaient leur cursus. Et en fait, c'est comme ça que j'ai pu prendre connaissance de mon école, Etna. Une licence en master en 5 ans, soit en architecte développeur, soit en architecte ingénieur réseau et système. D'accord, et si ça vous dérange pas d'y répondre, à peu près votre salaire? Actuellement, je suis en alternance. Ça veut dire que c'est une école privée. Et en gros, c'est l'entreprise qui paye mon année scolaire, tout en payant mon salaire également en même temps. D'un qui m'a amené maintenant de master, je suis à 80-90% du SMIC. Celui du Crème Lab 7, premier des Creative Center, ouvert en 2012 à côté des écoles Epitech et Epita des écoles privées d'informatique. Celui de la Station F, qui est l'incubateur de start-up ouvert par Xavier Niel en 2017, il est présenté comme le plus grand incubateur européen. Et d'autres, comme par exemple le Nucleus et le Baltard d'Innovation.